Située à deux pas de Luçon en direction du littoral, la commune de Triez au clocher à la forme si particulière compte en 2014 1100 habitants. L'école publique Les Trois Îles accueille 90 enfants scolarisés de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Située entre marais desséchés et marais mouillés, Triez a su conserver une activité agricole dense et variée, mais aussi une activité économique importante avec sa dizaine d'entreprises situées dans la zone artisanale. Une zone qui ne cesse de s'agrandir. C'est aussi vrai pour les différents lotissements. De nouvelles parcelles sont actuellement disponibles en cette fin d'année 2014. Des commerces de proximité sont également à la disposition de la population locale. Une miellerie pédagogique, la miellerie des Fontenelles, accueille chaque année des centaines de visiteurs, particuliers ou groupes scolaires. De nombreuses associations existent à Triez. Son club de boule en bois est très apprécié des seniors, créant de vrais moments conviviaux. Tout comme le club équestre des écuries triolaises que dirigent Édouard et Quétil. Les cavaliers et cavalières s'adonnent à leur passion pour leur plaisir ou afin de préparer leurs différents concours régionaux. Nous ne pouvons évoquer Triez sans parler de la fête de la Bouse. Véritable institution, cette fête qu'anime le foyer rural chaque été et ses 120 bénévoles attirent chaque année des milliers de visiteurs. Donc la fête de la Bouse, ça sort de la Bouse à la base qui servait pour le chauffage l'hiver. Donc la bouse fabriquée avec forcément de la bouse de vache. Et l'idée est partie de là au départ il y a une trentaine d'années. Et depuis, on a mis en valeur un peu tout le monde agricole et artisanal d'autrefois. Pour nous personnellement, oui, c'est vrai que sur Triez, il faut quelque chose de merveilleux. Il y a une bonne animation et puis tout le monde est sympathique, tout le monde a l'air est souriant, s'amuse, donc c'est très bien. C'est aussi vrai pour les célèbres courses aux ânes qui, chaque mois d'août depuis 1865, créent le plaisir des petits comme des grands. Chacun peut s'essayer à monter sur ses baudets et effectuer si possible le tour de piste obligatoire. Pas facile. Ah, ça s'est très bien passé, mais c'est très essoufflant. Difficile de manière là ? Oui, plus qu'un cheval. C'est la première fois, c'était génial. Bon, c'est un peu dur à diriger, c'est vrai, mais ça va. Vous le remarquez, Triez est une commune où il fait bon vivre et qui n'attend que votre visite.